D'abord terre d'accueil des Noirs américains récemment affranchis, le pays avait été ensuite réduit en esclavage par ses dictateurs successifs. Le dernier était André Baptiste, président autoproclamé qui avait fait ses études aux États-Unis. Monsieur Yuri, je suis André Baptiste Junior. Mon père nous attend au palais. J'en suis très honoré. Remerciez-le. Malheureusement, là, je suis occupé. Je suis très pris. Dites-lui que je suis vraiment désolé. C'est-à-dire que, en réalité, vous n'avez pas le choix. Mon père est quelqu'un de très susceptible. Je viens de me libérer. Le président Baptiste était mon meilleur client, mais je n'étais pas particulièrement pressé de faire sa connaissance. Il avait la réputation de couper en morceaux tous ceux qui s'opposaient à lui. La guerre civile qu'il avait menée pendant 7 ans avait laissé le souvenir d'une longue litanie d'atrocités, d'une rare violence. Voilà à peu près ce qu'on peut dire du personnage. Si j'avais peur d'André Baptiste, je redoutais encore plus son fils. Tel père, tel fils. La pomme ne tombe jamais loin du pommier. C'était aussi un cannibale. On disait qu'André dévorait le cœur encore palpitant de ses victimes pour s'assurer des pouvoirs surhumains. J'y ai rarement croisé d'autres blancs et je ne sortais jamais seul de la ville. À l'extérieur, c'était l'enfer. Et je ne voulais même pas y risquer un œil. Voilà. C'est ton hôtel. 2 étoiles. Tu peux me ramener le flingue de Rambo ? Rambo 1, 2 ou 3 ? Moi, j'ai vu que le premier. Le M60. Avec des balles perforantes, peut-être. Bien sûr, oui. Tu trouveras un cadeau de bienvenue de mon père dans ta chambre. Bonne soirée. Toujours ce fameux flingue de Rambo. L'arme de Rambo. Monsieur Yuri, t'es un homme de parole. Oui. Où est-ce qu'on va? RUF, les combattants de la liberté. En Afrique, toutes les factions s'attribuent les noms les plus ronflants. Front patriotique, armée de libération, république démocratique de ceci ou de cela. Yeah yeah. Évidemment, ils pourraient difficilement adopter le seul nom qui conviendrait. Fédération des oppresseurs, pire que les précédents. C'est quoi le problème? Rien, il n'y a aucun problème. J'arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, on parle du... du contrat. Mon frère dit qu'il n'est pas d'accord. On discute entre nous. C'est rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour Yuri. Relève-toi doucement.